Bon ben bonjour à tous, on est au lac de Saint-Pardoux et là on va aller faire le tour du lac. Une randonnée qui fait à peu près 26-27 km. Là il fait 7 degrés dehors. Alors j'ai mis les mitaines comme ils disent au Québec. D'ailleurs ça vient du Canada. Voilà, c'est pas une question de rapidité, mais c'est quand même un parcours qui a l'air assez technique. Mais ce qu'on va rencontrer, moi j'aime pas trop faire deux fois les mêmes randonnées, ça m'arrive, hein, mais bon. Quitte à faire des randonnées, autant découvrir. Des nouvelles, tout ça, ben c'est ce que je fais en fait. Je partage que des nouvelles randonnées pour passer le temps. Enfin, pour moi, je passe le temps comme ça. Ça m'amuse. Et puis j'espère que ça vous donnera envie d'en faire autant. C'est technique. Facile mais technique. Ça racine. Allez, bonjour. Allez. Si je suis dans la bonne direction. Oui. Hop. Bon, j'espère que ça filme en tout cas, parce que au lac de Vassivière, j'ai manqué une belle partie à cause de... Ben, je croyais que je filme même, en fait, je filme même pas. Ça glisse. On va tomber dans l'eau. Ah, vas-y, c'est super technique. Cette racine là, faut faire gaffe.
Bonjour. Du trial l'affaire. Chaud comme la braise. Hein. Putain. Alors, on va par où là ? Vas-y, c'est dans la technique. Hein. Je sais pas s'ils l'ont mis en catégorie facile. Je vais regarder. Le matin, c'est quand même le meilleur moment. Encore, on a de la chance, parce qu'ils annonçaient de la pluie, et puis il fait beau. J'étais même pas sûr de pouvoir faire cette randonnée. Je m'apprêtais à partir, et puis. J'ai vu le soleil, j'ai fait hop, changement de programme, on fait le tour du lac. On fait le grand tour cette fois-ci, cette fois c'était le petit tour. Bon, j'espère que je suis audible, hein. Faut peut-être que je parle un peu plus fort, parce que j'ai tendance à pas vouloir m'exhiber ou gueuler tout seul, on a l'air d'un con. Le mec qui se parle tout seul déjà, tu vois, ça fait ça un peu. Ah. On rire. Faut en rire. Hein. Putain. Je raconte pas le délire. Hein. C'est pas de tout repos. Hein. Un VTT, ça le fait, le petit de vélo, c'est dans la merde. Si t'as un vélo de course, tu peux pas faire ça. Et pour le fat bike électrique, c'est parfait. Faut juste pas faire trop le pont. Mais généralement, ça passe à peu près partout. Vite, hein, je suis à 18 km/h. Hein. Quand je roule vite, c'est qu'il n'y a personne, puis que je ne mets en danger personne. Je ne me mets pas en danger non plus moi-même. Bon. Je suis pas assez con quand même pour faire du mal à mon âge. Bon, ça peut arriver, on peut avoir des accidents, mais bon, on est relativement prudent. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Merci. Ah.
Salut, bonjour. Il y a des piétons. Oh merde. C'est à droite. Mais bon. C'est à droite. Mais à mon avis, je peux le faire le tour quand même. Donc, on y va. Alors ça, c'est un petit rallongement. Et là, il y avait encore un chemin à droite qu'on aurait pu prendre, mais on fait le tour complet du lac. Passe, hein, sans problème, hein. Ça rejoint le chemin. Voilà. Là, on arrive dans la boucle normale. C'est comme ça. Klaxon. Ok, bonjour. Bonjour. Allez, c'est... Hop. Bonjour.
Hop. Gotred. Bonjour, bonjour, non, sans assistance. Oh, si vous voulez. Bonjour. Des champignons ou pas? Pas encore. C'est la plage de Saint-Pardoux. Une des plages. Une autre. Ah ouais, pas de soucis. Oh, ouais, attends, attends, attention, attention, c'est bon. N'aie pas peur. Ouais, pas de soucis. Attention. T'en viens avec moi. Bonjour, bonjour. Ne vous arrêtez pas, hein. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, désolé. Hein.
Bon, là c'est droite-gauche. Du monde, hein. Parce que tout ce champignon. Bon, ben après la promenade en beaucoup, hein, même la pire. Une belle balade. Mais en vélo, c'est mieux. Les sensations. On va faire des sauts. Voilà, faire gaffe. Ils ont mis du grillage sur le bois pour pas que ça glisse. Heureusement. Comme les racines, quand elles sont un peu en pente, elles glissent, c'est un peu humide. Et ça, c'est vrai, regarde, j'ai rien de tel pour s'envoyer en l'air. Le circuit est quand même ultra technique, moi, je trouve. Putain, alors là... Alors là, je suis trop... Bon, ça remonterait, mais faut pas prendre de risques avec ces racines-là. C'est chaud patate. Bon, alors là... Moi, la vue est sympa. Là, il faut venir avec la cuillère pour essayer s'il y a du poisson. On me dit qu'il va descendre, un peu de perche. Brochet. Non, le brochet, c'est pas mon poisson favori. Mais la perche et cendre, là, il n'y a pas de souci. Là, je crois que je vais passer par là. Yeah.
là avec des viandes de 26 pouces, ça serait mieux qu'avec du vin, je pense. Ça, franchement, alors là, je passe pas. Attends, on va passer à droite, ça sera mieux. Quelques changes de vitesse aussi. Voilà. Bon, c'est un chemin. Usant. Ouais, c'est pour ça, c'est lui. Je suis même plus pédalé, je suis plus dur. J'ai une vitesse. Oh là 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 là. Prise de tête, hein. J'en avais marre, j'aurais pas fait tout le tour du lac comme ça. Ça serait un calvaire. Vaut mieux utiliser que l'accélérateur. Et puis là, c'est une bénédiction d'avoir un accélérateur. Hop là. Ça permet d'avoir la reprise quand on en a besoin. Parce que quand tu attends, quand tu es que avec assistance, quand tu arrêtes de pédaler, pour réenclencher le moteur, ça prend au moins plusieurs tours de pédale en fait. Alors avec l'accélérateur, c'est direct. Voilà. Thank you.
Je peux doubler, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. J'ai pas le même cheval. Hein. Merci. Bonne journée. C'est une queen, elle ne compte même pas. Elle est tellement confortable, je peux m'en plaindre. Là, c'est tout cher. Là presque un peu. En fait, il me reste 50%. Bonjour, bonjour. Il y a des champignons? Non, bon.
rendu à droite. Tonnerre. Bon, je vais klaxonner, c'est mon klaxon. Allez. Pareil, j'ai croisé tout à l'heure. Ok. La chasseur ou quoi? Oui, pourquoi? Ils sont où? Hein? Par où? Partout. Ouais. Non, mais vous inquiétez pas, on cherche les chiens. Ouais? Ça traverse l'eau, c'est parti sur raser. Ah bon, d'accord. Donc là, on récupère les chiens qui sont perdus. Ok. Ouais. Bon, bah, bonne chasse. Ça sent bientôt la fin. Bon, voilà, ça sent la fin, carrément. Si vous avez aimé cette vidéo, les gars, eh ben, mettez-moi un petit like. Et puis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. On dépasse les 200 abonnés au moins prochainement.